Je vais faire des persos. En fait, je fais des persos. Je prépare des illustrations style. Ah, attendez, si je l'ai pas ouvert. Je sais pas si vous connaissez My Hero Academia. Bukuro no Hero en japonais. Où il fait des fiches de perso, ils le font aussi dans Fairy Tales, etc. Voilà, donc je fais des petites fiches de c'est pas la série que je vous parle, je vous parle pas de l'animé hein. C'est pour, je vous parle des mangas. Mais après tous les mangas, enfin, c'était des exemples comme ça, mais il y a plein de mangas où il y a des fiches de perso quoi. Ou de jeux de rôle si vous préférez. Des fiches perso de jeux de rôle. C'est où ce que je veux? Ah! C'est l'histoire d'un jeune gosse, pas d'un ado, qui a perdu la mémoire et qui a en tête qu'une seule chose, c'est de tuer des démons. Voilà. Et il a une arme bizarre, en l'occurrence celle-ci, qui apparaît lorsqu'il est. Il est en danger de mort. Fait qu'il est en danger, qu'il est surtout en présence de démons. Surtout quelque chose qu'il ne contrôle pas en fait.
Ouais, non, mais on s'en fout. J'ai plus mal à la tronche qu'autre chose, quoi. Aussi
Il va peut-être falloir que je grandisse en fait. Pourquoi ça zoom? Ah oui, c'est mon clavier, putain, c'est jamais aussi à le virer. Une barre de. Enfin, une barre. Une molette intégrée, digitale. Et c'est à chier. Je devrais mettre un scotch dessus, mais je sais pas, ça déconne. Les personnages principaux, pour l'instant, il va en avoir un. Des secondaires, il y en a. Qu'est-ce que j'ai calculé? 3, 4, 5. Pourquoi je me rappelle pas, je viens de faire le tweet alors. Il y a 1, 2, ouais, 3, 4, ouais. Attends, je déconne pas, attends. D'accord. Putain, il faudrait qu'il y ait une loi comme ça en Belgique pour que les Flamands et les Wallons, ils arrêtent de se foutre sur la gueule. Genre qu'ils soient obligés de mettre en français et en wallon les trucs et qu'ils arrêtent de se balancer des caillasses parce que l'un parle pas la langue de l'autre, quoi. Ça serait bien. Ouais, mais c'est une histoire de vouloir préserver le français en fait. Préserver les traditions, après c'est une particularité du Canada.
brancards dans les colonies en Algérie. Beaucoup, je pense. Il faut que je fasse des sessions un papier ou aussi pied, mais des sessions godasses quoi, parce que les godasses à dessiner c'est dégueulasse. C'est la... Albinos. N'importe quoi. C'est le front. Mad guy, comment vas-tu? Ouais, enfin, c'est pas Batman, à moins de lui rajouter un truc comme ça et de faire un masque. Mais non, voilà. Merde. Ils ont aucun contact avec les Russes et tout le reste du monde, et c'est un mec qui s'échappe en fait, qui va voir l'extérieur. Si je me rappelle bien du résumé.
Allez. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se passer de bon? Ah non, ça on l'a entendu tout à l'heure. Je vais avoir une playlist glam rock. Pourquoi pas? Hi, Animated Janie! Welcome! Bonjour! Omelette du fromage! Je vais très bien! Et toi, comment vas-tu? How are you? Ils bannent tous qui ont moins de 16 ans. Non, non, je banne pas ceux qui ont moins de 16 ans. On a là de 14 ans qui viennent. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Bon, maintenant il a cours, mais. Non, non, il y en a des jeunes qui viennent, y'a pas de soucis. Tant que vous tenez à carreau, que vous êtes respectueux les uns envers les autres. No soucis. J'ai lu light, tu me baises, pardon. Thanks Jenny for the follow. Thank you. USA, Caroline Sud. South Carolina. Ok. The second American of the day. Welcome, American friend. In fact, he said, play the single in your. Ah, c'est les inconnus. Ah oui, c'est Jésus. C'est Jésus quand il part. Ouais. Jésus de le retour, c'est vrai, c'est Jésus. Ah, je l'avais oublié celui-là. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Quelqu'un peut time out Iles pour cette blague pourrie. Y'a personne pour te time out. Quelle galère. New York Dolls. Ok. Ok. Je suis Théo partout. Pose-toi des questions. Merci. Oh, nice! Your family in Quebec.
Ah, c'est beau. God. Non, non, ça va faire. C'est bien sûr, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux même virer la règle. Je peux même zoomer. Holy mental, hein. Oh là là. Je prends un peu de français. Ah, tu apprends le français? Ok, nice, you learn French. Twitch me, déteste. Ah, Lewis, San Montréal. No, not so sad. You can speak French. You can improve in French. I try to improve my English. Seriously, huh? Not so sad. Always what? Ah, je jongle avec ma ref. Hein. Je jongle complètement avec mes refs. Parce que j'ai fait un design préalable. Mais comme je me suis un peu attardé sur le storyboard ces derniers temps, sur 2-3 autres bricoles à côté. Ah, il a une écharpe. Je savais bien qu'il avait une écharpe, un truc. Une espèce de foulard. Hein. Ah. Oh, I learned it in school, but it's so different speaking than writing sentence. Yes, like for us, we learn English, but we learn with writing, not with speaking.
Non. Pourquoi j'y arrive pas? Ah, vous pouvez encore Théo, il l'aise. Bisous, fais ton taf de connard.
Le live des sorcières. Ah, il y avait pas de cul, le live des sorcières. Ah, c'est pas mal, Roupaint. Ça me dit quelque chose, Roupaint. Je sais pas pourquoi. Bah, juste écouter les top titres, juste pour en voir un peu ce que je me suis fait. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Enfin, c'était sympa, mais c'est pas du tout parti en couille. En plus, c'est où j'ai fait 43 personnes.
Là où, on a dit, là où j'ai dit le plus de conneries, et tout le monde a dit le plus de conneries aussi. Sorcière. Là, j'avais déjà dessiné avant au design, mais ce sera l'occasion de la dessiner à nouveau. En plus, la dessiner en entier, la confronter un peu aux autres designs, ça permet un peu de mieux travailler. Un peu molle par contre, peut-être. Ouais, un peu molle. Comme la bite de Mizu. Je m'en fous, il l'entend pas. Je peux dire toutes les saloperies sur lui. Ah, tu vois, je commence déjà à dire des conneries. Alors. Au fait, FIFA, t'as repris les streams ou pas? Bon, et moi je suis où dans les persos? Je sais pas à quoi tu ressembles, Nato. Ah, t'as stream hier soir? Ah, j'ai raté ça. J'ai regardé Clapstock. Je suis désolé. Moi bon, j'ai bouffé entre temps aussi. Hein. J'ai mangé entre temps, j'ai regardé Clapstock. Faire un petit stream tranquille, finalement il a fini à 6h du mat. Putain! Ah ouais! Mais comment ça se fait que je t'ai pas eu? Que je t'ai pas vu alors? Attends, je te follow? Il m'a un follow cet enfoiré! Je te suis, fif? Bon, merde, bon d'accord, c'est pour ça en fait, ça m'a un follow. De toute façon, j'ai dû changer la clé aussi Twitch, j'ai eu quelques merdes avant de démarrer mon stream. D'accord, c'est pour ça. Je suis désolé. Je serai maintenant. En plus, j'ai dû relancer 3 fois le stream après pour que ça fonctionne. Mais ça marche toujours, c'est cool alors.
Bah non, non, même si tu caches, Dark a fait ça, il a caché et il s'est fait bannir pendant une semaine. Le seul moyen pour toi, c'est de le faire ce Picarto. C'est de dire aux gens de venir ce Picarto. Voilà. C'est vraiment la seule solution que je connaisse. Parce que Picarto, en fait, c'est vraiment fait pour ça. Il y a de tout en fait sur Picarto. Le côté plus de 18 ans, porno, érotique, hentai, tout ça. Il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup d'autres trucs à côté de Cara Design, tout ça. Donc je pense que tu peux faire de la peinture. Hein.
C'est mieux avec une espèce de Minerve. C'est plus sympathique. Non. Putain, j'ai galère à cette taille de tête, ça fait chier. Ça me fait vraiment chier, quoi. Mais, putain, mon clavier est en train de décéder ou quoi? Putain, souvent les raccourcis, ils ont du mal, hein. Moi, finalement, c'était plus petit, quoi. Plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Tu l'as déjà fait, c'est mieux. J'ai passé pour le gros dégueulasse. Mais non, parce que tu fais du nu, non? Mais c'est que je marque ça sur le painter. Ou le téton de l'art. Non, je suis pas satisfait du rendu, mais bon, ouais. Là, ça m'a fait avancer un peu sur le design, mais je pense que je pourrais faire mieux. Mettre la chanson. Je vais prendre une mini pause. Elle est où? On est là? On est là. Voilà, petite pause. Et je reviens. Pourquoi j'ai galère hein? Voilà. Voilà, c'est mieux. Je reviens, je bois un coup. Puis c'est un coup aussi. Voilà. Je reviens dans 10 minutes à peu près. A tout de suite. Je vous laisse avec de la musique calme hein, qui repose.
Heureux les gens. Salut Reaper, comment ça va? Salut Nutella, comment allez-vous tous les deux? Bonjour en nous arrivant. Salut Kitsuko, je te vois. Petite bouille. Bah je sais pas, pourquoi c'est Chatty? Chatty, il se met... Ok, Light, si t'es là, c'est cool, hein. CMGS a bien marché. Non, Light est parti. Bon, tant pis. Ça va pas attirer beaucoup de monde si je dessine un vieux monsieur. C'est vrai, grâce à ton clavier, tu es tombé dessus. Tu essaies de faire des mains? Ah, c'est dur. Nato, c'est Jésus. Donuts? Nutella plus donuts. Ah oui, Nutella plus donuts. Oh là, fais gaffe, tu vas te faire bouffer. Alors. Ma ref. Ah oui, c'était celle-là. C'est celle-là. Et après, il me faut la tête du perso. Ça serait utile. Alors, c'est celui-là. Celui-là. Ah bah tiens, j'ai les deux là. J'ai le même le profil. Ça peut aider. Pour raconter, c'est que le Light fait profite de Crackbull. Enfin, profite pas. Crackbull qui a profité, qui a proposé, j'arrive pas à dire, d'utiliser son ordi en streaming pour jouer à MGS. Donc peut-être que vous verrez sa chaîne YouTube de, du Fox, du MGS, et peut-être du Batman aussi, le dernier. Bloodsuckers de Vamps. On va voir. Il est grand. C'est elle. Et en fait, c'est pas qu'elle est. Enfin, c'est pas que c'est un personnage grand.
c'est que c'est un personnage qui vole. C'est pour ça que je l'ai fait un peu en hauteur. Les crowbars, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ah, il m'affiche pas les points saillants en fait. Alors attends, je vais te montrer Painful Side 2, il faut juste que je retrouve là où je l'ai foutu. Parce que j'ai dézippé le truc. Tu peux le tester sur le site. Hein. Il le file, voilà, j'ai le 2. Voilà, en exclu Painful Side 2. Il y a plus, voilà, il y a plus de modes de fusion aussi. Voilà, ils se sont alignés sur Photoshop.
ce qui est plutôt agréable. Parce qu'avant on pouvait pas faire grand chose, il y en a 6 ou 7 et ils sont vraiment pas terribles. Il y a des effets de peinture, donc je pense qu'il y a un panneau déroulant, c'est qu'il va en avoir d'autres, où on pourra le rajouter. Il y a des filtres, et apparemment je crois qu'ils vont rajouter beaucoup plus de filtres qu'avant. J'ai fait le tour vite fait un soir. Vous aussi hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas cherché, je l'ai testé un soir hein. Je suis pas bêta testeur chez eux hein. J'aimerais bien moi se payer pour être bêta, pour faire des logiciels comme ça, pour donner des idées. Ouais, ça on peut toujours changer la place des voilà, on peut déplacer tout ça pour les droitiers, les gauchers, ça c'est plutôt pas mal. Always show scrollbar for color. Ouais, Krita est pas mal, mais moi il lag. Il est vraiment lourd. Il a l'air très très bien. J'ai testé un peu. Il a l'air vraiment sympa comme logiciel. Une très bonne alternative gratuite, mais je trouve laborieux quoi. C'est ça qui est chiant. C'est dommage. J'espère qu'il va s'améliorer avec le temps. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup d'habitude sur Photoshop. Hein. J'utilise beaucoup Paint tout seul pour faire du sketch et tout ça. Parce qu'il est très léger. Mais je reviens souvent en Photoshop. J'ai mes habitudes aussi. Hein. Il y a Robert Marzulo, un youtubeur anglais qui fait des trucs sympas. Sur Sketchbook Pro, tu parles ? Camera Raw, j'utilise pas moi Camera Raw.
5Go de RAM. Il est gourmand. Là, je trouve ça gourmand en plus quand tu penses que s'il prend 5Go de RAM sans rien et qu'après il faut faire tourner ton document pour bosser dessus, que ça marche comme Photoshop, c'est-à-dire que en fait tu travailles pas sur le document même, tu travailles sur l'aperçu. Ça commence à faire beaucoup quoi. Ça s'entend quoi. Ça s'entend que c'est un groupe jap. Manga Studio, j'aimerais bien tester. J'avais testé une ancienne version il y a très longtemps. Ouais, j'avais rien compris, mais j'ai vu pas mal de bonnes choses sur Manga Studio. J'ai vu qu'on pouvait faire vraiment des trucs vraiment très très chouettes.
donne des conseils par email. Ouais, mais c'est bien, mais je veux dire, comment dire, je veux bien, hein. Je suis d'accord avec la démarche du mec. Mais c'est juste que son truc, on peut pas le virer. Si t'as pas envie d'envoyer ton mail et juste regarder la page, qui donne gratuitement quand même. Voilà. C'est juste ça, c'est ouais, si t'es en contact avec lui, dis-lui quoi. Que c'est bien, mais que cette page, il faut pouvoir la fermer. Sinon, ça fait un peu page de gros connard quoi. Un gros connard qui te force à t'inscrire pour avoir ton email. Les gens qui viennent sur le site, et il faut pas faire de site web. C'est bizarre, les gens comme ça. Les gens ils font des sites web et tout, des pages qu'ils offrent à tout le monde, et puis ils font des trucs pour emmerder quoi, pour contrôler. Fallait faire un accès payant, mais bon, enfin, c'est son problème, quoi, c'est pas grave, moi j'en fous.